Une marina, rien changé, on a changé finalement. Checkez ça! Je veux juste vous partager comment c'est magnifique d'avoir pensé à faire ça pour des personnes qui sont sur des voiliers et qui n'ont pas accès à grand végétation. Ils ont fait ça, ils ont construit ça en 2014-2015. Puis, c'est quoi? Mais non, c'est pas juste des petites plantes. Checkez ça! C'est toutes des fines herbes. Puis on peut s'en prendre et emmener ça sur le bateau. C'est wow! Fait qu'on se promène. OK, c'est sûr qu'il y a certaines affiches qui sont comme parties. Mais tantôt, j'ai vu. Hot peppers. Fait qu'on se dirait, ben non, il n'y en a pas, voyons donc. Ben oui, il y en a des hot peppers. Dill. Checker les petits hot peppers. Hey, regarde, il y en a. C'est pas vrai là, qu'il n'y en a pas. Il y en a. Alors, c'est ça. Il y a de l'origan, du basilic, beaucoup, 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 beaucoup de basilic. Oregano. Ça sent tellement bon. Juste avec ça, on a le goût de cuisiner. Justement, j'avais une intention de me faire des pâtes avec une sauce tomate, ben des fines herbes. Wow! Ça tombe-tu bien, vous pensez? Mais... on est allé chercher quelque chose à souper parce qu'il y a un festival en arrière, puis on va aller voir le festival tantôt. Il y a de la musique, il y a du barbecue, il y a plein de choses. C'est juste à côté de notre marina. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans des festivals comme ça. Le kiosque de City of Marathon, la ville où on est présentement. Ouais. Et je trouve vraiment intéressant parce que nous sommes en train de faire comme un référendum pour une partie de la ville où elle n'est pas développée, qui est venue développer. Mais il doit avoir l'opinion des gens qui habitent ici. Ils ont développé 5 scénarios différents. Wow. Comment il va être développé cette partie de la ville. Et le monde, il peut venir. Pendant qu'il est présent, c'est ça qu'on voit là. Oui, 5 scénarios. Et 5. Il peut choisir un jeton vert et pour le placer dans chaque scénario. Comme ça, la ville va savoir quel est le scénario préféré des gens qui habitent ici. Ouais, c'est bon, c'est vraiment bel exemple de démocratie. Oui, bravo. Bravo Marathon City. On est dans un festival Marathon City. Très bonne musique, excellente musique. Genre marche au plus. Le monde pour texter dans le gazon. Mais j'ai juste un message à dire. Je vous aime, Québécois, Québécoises. Vous me manquez. Rock Show will be right back. Remember tomorrow. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une barre dans le front. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une barre dans le front. Ouais. Qu'est-ce que tu manges? Gratuit, c'est sport. C'est pas gentil, hein? C'est pas les clochers. J'aurais pas dû manger tantôt. La musique est tellement bonne. C'est tout bon? Tu voulais pas manger de viande aujourd'hui? Hmm? Ça fait longtemps que j'ai pas été dans
festival. Oui, mais c'était pas comme ça. Oui, pour le 4 juin, il avait inclus. C'est plus gros là que... Oui, je suis d'accord. Arrête de fumer. C'est bon ça, quand il est grillé là. On check sur la cam, sur la caméra, on voit que si on se met dans le show. Ok, comme longtemps que j'ai pas vu ça, des camions de crème glacée qui font une petite musique. Je trouve ça tellement cool. Mais on avait plus ça, on n'a pas ça au Québec, je pense. Hein? Nous autres, les camions de crème glacée, ça fait longtemps que ça a disparu, mais ici, il y en a plein, puis je trouve ça vraiment cool. Il me semble que je serais un enfant, je courrais pour avoir une crème glacée. On a un dinghy, mais on n'a pas de moteur encore. Oui, on a un moteur, ça fait 10. Ouais. C'est ça. Un demi, j'ai un moteur et une arme. Un arme, ouais. Puis, ben, quand on part, ça va popper, mais quand on revient, on a comme pas mal de courant. Ça va-tu bien? Oui. T'aimes ça? Cool. Hein? Dès qu'il a dit que finalement, il annulait son achat de moteur, puis il va faire ça tout le temps à la rampe. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. C'est notre bébé! Youhou! Allô! C'est la première fois aujourd'hui que je vais vraiment cuisiner. Jusqu'à date, j'avais fait des hot dogs. Pas une grosse réussite quand même, là. Puis là, aujourd'hui, on est allé à l'épicerie. Puis j'ai acheté des crevettes, de l'ail. Puis on va se faire des pâtes aux crevettes. Ça me tentait de manger ça. Il fait chaud, par exemple. Je ne dis pas qu'il ne fait pas chaud.
Puis, c'est la première fois que j'achète ça, là. J'ai acheté des petits légumes tout préparés déjà. Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter. Là, j'ai du chou-fleur, j'ai un peu de tout. Ça, de mettre ça dedans, faire sauter al dente, puis yes sir! Fait que ce soir, nous mangeons des pâtes aux crevettes. Ça vous tente de venir manger? On vous invite. Ah ouais, let's go! Et manger. Le souper va être prêt. Ben, il est déjà tard, il est presque 8 heures. Vous avez le temps de vous rendre. Mais mon eau est presque prête. C'est très mini! C'est tout mini ici. C'est bon, spaghetti. C'est mieux des linguini, là, ou... Ça va être ça. C'est ça qui est ça. Comme on dit, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'il fait donc chanter les petits ciments? C'est le petit pudding. Laura, ce corps. Qu'est-ce qu'il fait donc chanter? J'en veux encore. C'est l'été pudding, Laura, ce corps. Ben, ça arrive des fois, j'ai des bulles de main. Les bulles de mon enfance. Ben, ils n'arrivent pas des fois, ça, d'avoir des petites bulles. Qu'est-ce qu'il fait donc chanter, lui? C'est chaud ici. Ah, oui, je sais, je suis en train de. Vous en prêt, moi? Mais non, je viens des mettre. Hey, moi, je pense au cuisinier, je pense à mon gars qui fait de la bouffe, là. Il a un chaud en titi. On va mettre juste à côté. Et après ça, on va le mettre dedans. Salut. Tu fais quoi? Il y a juste trop de la mettre. Il se coule. Fait chaud, hein? Ouais. Il a fait 40 aujourd'hui. Humidité ressentie. Ouais. Je me fais un schéma pour le système électrique. Parce que je vais faire un système électrique temporaire pendant qu'on est encore avec le diesel, qu'on peut utiliser nos panneaux solaires à 100% avec, pour avoir plus d'électricité. Qui va être à 24 heures, qui va être à 12. Ah, c'est bon ça. Pour tout le monde qui va dire c'est bon ça, beaucoup de monde va dire mais non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pour et contre. Ok, explique. Mais tout le monde est habitué avec 12 volts. Ouais. Normalement, 12 volts, c'est considéré comme pas dangereux pour le... Il peut pas te tuer. OK. En théorie. 24, ça va nous tuer? Non. Si un bas de 30 volts, c'est considéré comme pas dangereux. OK. Fait que tu es en train de calculer des ampérages. Oui. Et pas juste ça, je suis en train de faire un schéma comment, entre quoi, connecter avec quoi, quel fuse j'installe où. Et en même temps, je dois planifier, couper les câbles. C'est le même câble que je peux utiliser après quand on change pour 48 volts. Parce que les câbles sont chers. Parce qu'ils sont épais comme, ouais. Comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et je suis en train de planifier c'est quoi la longueur que j'ai besoin présentement. Je peux le couper même si ça va être un peu plus long pour l'instant. Après ça, je peux l'utiliser directement pour le prochain système à place de le changer ou pour le remplacer. Ok, je te laisse faire. Trop compliqué. Trop compliqué? Ouais. Aujourd'hui, malgré la chaleur, on s'est décidé de monter dans le mât pour réparer des connecteurs puis installer une nouvelle lumière. Ça fait haut pas mal. Mais on prend de l'expérience, on est de plus en plus sécure. Puis, mais j'ai plus peur, là. C'est correct, je sais ce que je fais. Fait que je vous montre ça. Ça va? C'est juste dur pour les jambes. Dès trouve ça dur parce que il y a des trucs qu'il a achetés là, mais pour. Et voilà, on va aller voir jusqu'en haut. Ça fait partie d'une des affaires qu'on fait aujourd'hui. Il est pas mal bon. Ça, c'est là. Là, il est monté à la moitié à peu près. La dernière fois, il avait été inspecté jusqu'en haut, en haut. C'était comme pas mal plus haut. Là, il est à la moitié. Ça a plus mes jambes. Shit. Je me suis pas rendu compte. Les bus, sauf que je voulais me déplacer. J'étais comme, oh my god. C'est dangereux quand même. Hein? C'est-tu dangereux? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Ça fait-tu du bien d'être debout? Oui.
C'est ça. Dess sans plus ses jambes. Il s'est pas rendu compte pendant qu'il était en haut. Puis c'est sûr qu'avec les trucs d'alpinisme puis tout, ben il travaille, puis il se rend pas compte. Puis à un moment donné, oups, quand il s'est levé, plus de sang des jambes. Ça revient-tu? C'est sa deuxième fois qu'il monte. Bon, là, on a fait pas mal de tests. Depuis ce temps-là, on a pris pas mal d'expérience. On a monté l'arche, les panneaux solaires. Là, bientôt, je vais le descendre avec ce petit système-là. Finalement, on a fait une trouvaille dans le bateau. Checkez ça, c'est cute. J'ai même pas ouvert encore. Ah, ça s'ouvre. Ah, c'est cute. Hey, on a un barbecue. Mais c'est ça. Fait qu'au moins, on a un barbecue. On descend comme tantôt? Oui, attends, tu comprends dans le bord? Non, non, c'est pas ce que je devrais faire. Non! Mais là, oui! C'est le grand voile qui va le installer pour la première fois. On sait même pas quelle couleur qu'elle est. Elle doit être blanche. Oui, je pense qu'elle est blanche, c'est ça que je veux dans les photos. Ça, là, la grand voile, là, c'est elle qui va sur le poteau. Hein? Elle fait tout. Canada. Mais non, Hong Kong. Mais là, mon frère, tu m'expliques. Oui. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que dans la grande voile, il y a des morceaux de plastique. Oui. Moi, j'ai toujours pensé qu'une voile, bon, c'est un morceau, je sais pas, de polyester ou de quelque chose. De tissu. Oui. En théorie, oui. Mais en pratique, il y a des morceaux en plastique ou en métal. Oui. Qui lui permettent d'avoir une meilleure forme, qui garde sa forme quand le vent le pousse. C'est vrai. Parce qu'en fond, c'est une aile, comme dans les avions, c'est la même format, les mêmes... comment on appelle ça? Les mêmes choses aérodynamiques, mm-hmm. Sauf que place d'être horizontale, c'est vertical. Okay. Comme l'avion, c'est horizontal, et quand l'air y passe, les forces créées par l'aile permettent l'avion de monter en haut ou de descendre. Okay. Mais ici, c'est vertical et permet le bateau de changer la direction. Puis là, il va falloir dérouler ça, mais aujourd'hui, on est super bien. Il n'y a pas de vent. Comparément à notre ami Luc, qui a eu bien de la misère à installer sa voile l'autre fois, bien nous, il n'y a pas de vent. Checkez ça. Ouais, mais c'est vraiment comme... Yeah. Ici, là, l'autre bord, là, c'est vraiment du plastique. Puis ce bord-là aussi. Ben, ça peut bien pas passer dedans, le vent. Ah? Je veux comprendre pourquoi que le vent, ça pousse, parce que c'est pas un tissu pantoute, c'est un morceau de plastique. Ça, c'est quoi? Non, c'est un ruban. Oui, pour voir le vent. C'est vrai? Oui. Oh, t'es hot, toi! Une chance, t'es là, hein? Tu savais-tu dans quoi tu t'engageais quand tu m'as emmené? Non. C'est ça que je t'ai emmené. La fille, là, elle connaît tellement rien. Même ici, là, j'ai vu, il y a une corde. Là, j'ai dit, ben, c'était-tu un élastique qui est plus bon ou c'est vraiment une corde? Aucune idée. Ici, ils ont mis des choses ça, comme de... Les quoi? Ça ressemble à des affaires de douche. Laisse me montrer un petit morceau de métal. C'est comme s'il passait un rideau, mais au travers jusqu'en haut. Il y a comme une traque, là, encore. Là, Dess, il dit, on va arrêter. Oh! Une chance. Je sais pas pourquoi. Je suis toute mouillée. Même si le soir, il fait chaud pareil. À quoi ça sert, toutes ces cordes-là? Ça sert à garder la voile en bonne position par rapport au bâton. Wow, c'est nice, tu sais, checker ça. Checker ça, il y a des numéros, j'ai aucune idée pourquoi, là, mais... Oh! J'ai toujours pensé que c'était en tissu, ça. C'est pas en tissu, pas en tout, c'est en plastique. Écoute, moi, je suis comme un bébé, hein, je connais rien. Je connais vraiment rien, puis même, j'ai jamais embarqué sur un bateau, ni surtout pas un voilier de ma vie. J'ai des commentaires de quelqu'un qui connaît pas ça. C'est très authentique, mon affaire. Ah, tu vois ça ici? On est déformé? Ouais. Ça veut dire que... Il est chauffé. On doit le remplacer parce que bientôt il va se casser. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il est usé. Il a l'air fondu. Il est usé. OK. Avec le tombe. Le boom, là, c'est le bâton. Le gros bâton en métal, c'est un boom.
bon. Check ça, c'est beau, c'est magnifique. Ah, maudit filet. Maudit filet. OK, puis après ça, tu vas venir squeezer ça là-dedans. T'es en train de comprendre, là. C'est dans la craque, là, qu'il va venir mettre ça, là. Je suis sûre que oui. Ouais. Il va aller couler, c'est ça. On est débutants, puis vous êtes débutants avec nous autres en même temps. Vous pouvez pas être, vous pouvez pas tomber mieux, là. Si vous connaissez rien là-dessus, là, vous êtes à la bonne place. Ah, checkez ça, là! OK! Il prend les morceaux. Checkez ça. Non, c'est correct. Il prend les morceaux. Puis, il est coulisse dedans. Puis là, je monte. C'est comme un gros rideau qu'il met. Tu vois, regarde, ça rentre dedans, là. Je pensais que c'était ça qui me parlait. Je comprenais rien. OK. Dans le fond, c'est des bébelles de plastique, hein? Hein? Ça peut pas casser ça en plastique. Ça a l'air cheap. Rentre ça là-dedans. On monte avec les cordes, on monte ça en l'air. OK. Puis je suis sûre qu'après ça, là, on va faire une affaire ça. Ah oui. Ah, oh, mon Dieu. Il faut que je le fasse à la manivelle. C'est ben trop dur, sinon. Plus vite! Pressé, monsieur! Ah, mais c'est dur! C'est pas dur, là. C'est pas aussi pesant que quand Dess il monte! Wow! C'est nice, ça! C'est beau! C'est magnifique! Ça s'appelle des riffing points. Comme ça, on va avoir une voile qui est plus petite. Tu vois ça ici, non? Ouais. Comme une ligne ici, et plus haut quelque part. C'est là qu'on va rentrer. Dans le fond, le riffing point, ben, c'est la place où ce que les anneaux. Puis avec ça, on peut faire une plus petite voile si on en a besoin. Puis là, ça c'est une autre affaire que je savais pas. Quand tu mets la voile, il y a des cordes. Nous autres, nos cordes sont vraiment maganées, là. Sont quasiment pétées. Mais les cordes, ils tiennent la voile des deux côtés. Saviez-vous ça? Ça? Fait que ces cordes-là, il y a la corde... Attends une minute, là. La corde-là. Puis la corde-là, on voit qu'elle est presque finie. Mais ils tiennent la voile en place. Puis de l'autre côté, c'est la même affaire. Dans le fond, notre voile, elle se retrouve entre des cordes qui tiennent. Hey, checkez donc bien ça, cette belle lumière-là. Wow! Non, pas la lune, là. La lumière en haut. Checkez ça! C'est mon chum qui l'a installé aujourd'hui quand je l'ai monté. Ça, c'est la lune. Wow! Checkez-moi le ciel. Tous les bateaux sont en train de soit être à l'air climatisé ou sont en train de suffoquer de la chaleur de la journée. Check ça, les paquets de bateaux. Oh, c'est nice, ça! Ouais, il descend? Ouais, fait que là, Dess, il va descendre parce qu'on s'en va pas nulle part à soir. Là, ça, il faut que ça aille entre les cordes. Ah? Ça, il faut que ça aille entre les cordes. Ça va avec la grosseur du bateau, ça, j'imagine? Et avec le mât. On a un mât qui est plus grand que... Ah oui? Moyen, oui. Ah! Pourquoi? Parce que... C'est fait de main. La personne qui l'a conçu, il a décidé que si un bateau... Il a mis un gros mât. ...qui est plus long, ça lui permet d'avoir une vitesse plus grande. C'est beau, tu sais. C'est très beau comme ça. Allô! On vient d'upgrader, on vient de passer de la rame au moteur. On est avec un moteur électrique. C'est ça.
c'est le temps d'inspecter les bords, à regarder les affaires qu'on n'avait pas vues la dernière fois. Et d'améliorer notre sort. Hey, checker ça, là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Juste dans cette petite partie-là, il y a à peu près 35 voiliers, à peu près. Yeah. Ah ouais. Il y a beaucoup de voiliers ici. Explique-moi donc pourquoi tu as installé un moteur comme ça au lieu d'un moteur à gaz. Parce que je n'aime pas... OK. Parce que mon père m'a dit, trouve-toi un métier dans lequel tu vas te laver les mains quand tu rentres aux toilettes, pas quand tu sors de toilettes. Je n'ai pas compris au début, il voulait dire pas de ne pas avoir des mains sales. Quand tu as un moteur au gaz ou au diesel, tu as toujours de la main sale parce que tu fais un changement d'huile. L'entretien est tellement grand qu'ils sont tout le temps brisés. Toujours ici, en combien de temps, là, c'est combien de temps qu'il y en a ici dans la... Deux semaines, genre? Une semaine et demie, deux semaines, ouais. Ouais? Une semaine et demie. Là, son moteur était brisé. Claire, quand son moteur aussi était brisé. J'ai déjà vu deux, trois fois les gens qui font les livres parce que le moteur est démarqué. Mm-hmm. Puis là, explique-moi. Là, tu viens juste de recevoir ton moteur, tu l'as installé, puis ton énergie, tu apprends où? La grosse batterie. On a pris une des batteries de voilier. Puis ta grosse batterie, c'est quoi? C'est une batterie lithium-ion. Ah, OK. Yes, sir! C'est bon, ça! Est-ce que je suis bien ici? Moi, je suis bien. J'ai tout ça d'être bien. Là? Oui, oui. Je suis mieux là. Je suis mieux qu'ici. Ah, regarde, je suis comme dans un sofa. Je suis assis à terre. À la meilleure place. Il y a beaucoup de monde qui sont avec des génératrices. Ben oui, pourquoi donc? Pourquoi tu penses qu'ils ont des génératrices? Parce qu'ils vivent la même façon qu'ils ont. Non, non, pourquoi? Pourquoi? Pour faire rouler l'air climatisé. C'est ça, juste pour ça. Je suis sûr que quand il fait frais, là, ils n'ont pas besoin de génératrices. Ça nous fascinait de voir ça. On a la vue d'un bateau qui est complètement couché. Puis on a demandé à Luke. Puis il nous a dit que c'est un bateau, ça fait longtemps qu'il est abandonné. Je trouve ça vraiment triste de voir que, ben, soit que le propriétaire n'a pas pu revenir, peut-être qu'ils viennent d'un autre pays, puis le bateau, ou ils ont décidé qu'il y avait plus de dommages, puis qu'ils n'étaient pas capables de le ramener. Mais je trouve ça dommage d'abandonner un bateau comme ça. C'est triste. Ça fait bizarre parce que c'est vraiment des rues. On est sur la rue du C. Alors, tous ces bateaux-là ont une boule, une adresse, un mooring de l'adresse C. J'imagine que là, ça doit être B, ce côté-là. Puis nous, c'est D. Fait que nous, c'est de l'autre côté de la rue. Fait qu'il va falloir passer dans la cour à quelqu'un. Tam 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 tadadou 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 tam 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 tam. J'étais à la recherche de crocodiles. Ça peut, j'aimerais quasiment s'en voir un, puis je suis pas sûre. Je suis pas Indiana Jones quand même. Ça va se promener! On est parti pour la première fois en dinghy. On s'en va en exploration, c'est vraiment cool. Regarde, c'est ça, petit moteur à deux, ce moteur! Attends une minute, regarde le moteur électrique! Donc, on est parti pas très très loin, il y a des gros nuages, fait qu'on se demande si le bateau va prendre l'eau.
Pas celui-là, mais l'autre, le voilier, on n'a pas rien fermé. Puis, mais ça, c'est comme privé. C'est sûr que il y a les hamacs, là, tout ça, c'est privé. Par exemple, là, c'est ça, on se promène, on est samedi matin. On a décidé d'aller se promener un petit peu plus loin, puis on va essayer de se rendre même jusqu'à, peut-être jusqu'à la plage Sombrero Beach. On va essayer notre moteur, puis on va aller voir que ça a l'air. On vient juste d'arriver avec notre dinghy. C'est la première sortie qu'on fait avec notre beau moteur électrique. Puis on est à la Sombrero Beach, Marathon Key. Je suis allée me baigner. Croiriez pas ça. L'eau est à plus de 100 degrés. Je rentre dans l'eau, puis c'est prêt. Je me brûle quasiment. C'est plus chaud que ma propre douche puis mon propre bain. Même peut-être j'ai 100, mais peut-être beaucoup plus que 100. C'est vraiment comme un spa, mais à grandeur nature. Ici, l'eau est un petit peu moins belle, mais je suis allée me baigner là-bas. On a de l'eau jusqu'aux genoux, mais c'est une plage qu'on est venu très souvent. Au début, quand on est arrivé avec l'auto, puis qu'on commençait à déménager dans le voilier, on est venu ici à tous les soirs pendant quasiment 7, 8, 9, 10 jours. On prenait un pique-nique, on se baignait, puis après ça, il y a des douches publiques. On prenait une petite douche avant de rentrer. Les aventures, en voulez-vous? On est arrivé à la plage, il a commencé à mouiller. On s'est dépêché de vouloir s'en revenir. Et notre moteur, ben, il n'y avait pas assez de batterie. On est c'est commencé à ramer. Et plus qu'il ramait, plus il mouillait. Il y a tellement fort. Il y a un ventilateur qui nous a proposé de nous tourner avec son chose. Puis qu'on est en petit dinghy. Fait que, ben ouais, on n'est pas trop fiers. Puis il mouille encore. C'est à peu près ça. Là, ça y aurait pris 2 heures de ramer. Le gars, il s'appelle Matt, il nous a donné un livre jusqu'à notre bateau, puis après, il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait à soir. On lui a répondu rien. Fait qu'il nous a invités à venir souper avec lui puis sa blonde, puis on a fait un super bon barbecue à la plage. C'est bien pour dire, à chaque fois qu'il nous arrive des malheurs, bien, on rencontre du monde vraiment formidable. Et voilà, on revient d'une bonne soirée avec nos nouveaux amis, Matt et Lola. Puis, on s'en va bientôt au bateau. Notre première sortie réelle sans catastrophe. Juste ça, c'est wow! À l'aventure, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. On n'en a aucune idée. On va revenir avec d'autres images. Wow, wow, wow! Malade! Maudite affaire. On est en panne. Hey! Merci de faire partie de mes suiveux et de mes suiveuses. De vous savoir à l'écoute, ça fait toute la différence. Un gros merci à ceux qui osent écouter mes vidéos en français. Merci au Canada, merci au Québec, à la France et à l'Afrique. Merci à tous ceux qui me suivent. Si ça vous tente, écrivez-moi sur YouTube en commentaire de quel pays vous m'écrivez. Comme ça, ben, je vais pouvoir savoir jusqu'où s'étend ma famille. Sur ce, je vous invite à aimer ma vidéo, à partager, mais avant tout, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Je vous attends la semaine prochaine. Puis pendant qu'on mangeait, on était assis à la table de pique-nique, puis j'ai vu ça. Aïe, aïe! Pas de musique, il n'y a rien.
Tu penses vidéo ou tu te photos? Ouais, vidéo, je pense. Ok. Je vous aime, Québécois, vous me manquez. Rock Show will be right back. Remember, tomorrow is day two of the inaugural Coupé. Donc, je pense que ça marche. Là. Ah ouais, ça marche. Ah, je n'ai pas nettoyé, par exemple. Et bye. Ok. Quelle idée que ça m'a. Ouais. Ouais, j'arrête de filmer direct là. Je te tire ça, puis je filme en même temps. On appelle ça être polyvalent. Faut me ramasser à l'eau, là. Faut que je check où je pile. Attends, va pas trop vite, là. Ouais, ça. OK. Tiki, moi, là. Je suis toute mouillée. Je peux aller prendre une douche. OK. Ok, je vais arrêter de filmer, là. Il fait noir, là. Ça a ses avantages, hein, d'être caméraman. Ouh, ça a très des avantages d'être caméraman. Je regarde, on filme. C'est quasiment arrivé. Hey, le comique. Ah, c'est bon, ça. C'est ça, on filme. On filme de manière différente. Fait que, qu'est-ce que tu disais?